خليك مشيت تشري مصابيح وسولت البائع واش بغيتي مصابيح ديال 100 ولا ديال 60، ولكن انت ما كتعرفش الفرق ما بين 100 واط و 60 واط، وبالتالي خليك معايا لاخر الشريط باش نعرفوا الفرق ما بين 100 واط و 60 واط. السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد لا بويسونس الكتريك، القدرة الكهربائية. في اغلب او في جميع الاجهزة الكهربائية كنلقاو بعض القيم مدونة من طرف الصانع بحال الشكل اللي قدامنا 60 واط. 60 واط او لا الواط فهو وحدة القدرة الكهربائية لا بويسونس الكتريك رمزها W. La puissance indiquée par le constructeur pour le fonctionnement normal d'un appareil est appelée puissance nominale. Mais ce n'est pas la seule indication qu'on trouve sur les appareils. On trouve aussi la tension nominale, tawtul ismi, l'intensité nominale, attayar al-ismi, ou hadi tusamma bil mumayyizat al-ismiya lil jihaz, les caractéristiques nominales. On va citer leur puissance électrique nominale par ordre croissant. Pour un chargeur, ça varie vers les 5 watts, ampoule économique 10 watts, un téléviseur 100 watts, réfrigérateur 300 watts, four électrique 1500 et pour un fer à repasser 2000 watts. Ça peut varier, mais c'est pour avoir une idée de la puissance nominale de chaque appareil électrique. Alors, il faut mettre en tête que s'il y a deux appareils électriques, par exemple des fers à repasser, l'un de 2000 watts et l'autre de 2500 watts, celui qui a 2500 watts va fonctionner de manière supérieure à celle ou à celui de 2000 watts. Bimena, il est qu'on s'installe واحد الميكواس من فئة 2500 واط باش نصلح أو باش نكوي الملابس، فيكفي أني نمرها مرة واحدة وتعطيني نتيجة جيدة، بخلاف الميكوات اللي من فئة 2000 واط خصني نمررها عدة مرات باش نحصل على نفس النتيجة السابقة، ولكن هذا كله عنده ثمن، يعني لا كونسوماسيون اون انرجي الكتريك يعني التكلفة الكهربائية غادي تكون مرتفعة. دو ميم بور لي لامب، لا لامب دو 100 واط فا éclairer mieux que celle de 60 watts. La puissance électrique en courant continu est égale au produit de la tension et celui de l'intensité du courant électrique. Ça veut dire P égale à U fois I et n'oubliez pas les unités. L'intensité en ampères, la tension en volts et la puissance en watts. Sachant que le watt a des diviseurs et des multiples. Gigawatt, 10 à la puissance 9 watts, mégawatt, 10 à la puissance 6, kilowatt, 10 à la puissance 3, et milliwatt, 10 à la puissance moins 3. Si vous n'arrivez pas encore à travailler avec les puissances, je vous cite ici le tableau qui va vous aider. Mais le mieux est d'utiliser les puissances. La puissance électrique, quand il s'agit d'un conducteur ohmique, comme les serpentins cités ici, et ce sont les serpentins qu'on trouve à l'intérieur de ces appareils. يعني الأجهزة الكهربائية اللي كتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية بحال الفرن، مسخ الماء، المشوات إلى آخره، فهي أجهزة اللي كتحتوي على مقاومة كهربائية، وبالتالي القيمة أو التعبير ديال القدرة الكهربائية فهو تعبير بدلالة R المقاومة الكهربائية. اللي بغينا نفهمو من حصلنا على هذا التعبير فالطريقة سهلة. On sait que P égale à U fois I et d'après la loi d'Ohm U c'est R fois I. On remplace et on trouve que c'est R fois I au carré. Si vous n'avez pas encore vu la loi d'Ohm ou si vous n'avez pas encore bien compris, je vous invite à voir la vidéo. Je vais vous laisser le lien sur le descriptif. Donc, la puissance électrique se calcule avec la valeur efficace de la tension et de l'intensité quand il s'agit d'un courant alternatif. يعني في حالة التيار المتناوب. Et finalement, la puissance totale. P totale reçue par une installation électrique est égale à la somme des puissances des appareils qui fonctionnent simultanément. يعني في حالة التركيب الكهربائي اللي
كيكونوا فيه عدة أجهزة كتشتغل في نفس الوقت، فالقدرة الكهربائية الكلية تساوي مجموع القدرات الكهربائية لكل جهاز. وفي هذه الحالة كيخصنا دائما نقارنها مع القدرة الكهربائية القصوية، ما خصهاش تعداها باش ما ينقطعش التيار الكهربائي. باش نفهمو بشكل جيد نخليكم مع المثال التالي. Dans un bureau, l'ordinateur, la lampe, le baf et l'imprimante fonctionnent en même temps sur la multiprise. D'accord ? Donc, dans cette cas, nous voulons déterminer la valeur de la puissance électrique qui va s'accepter. Il suffit de faire la relation précédente. P total égale à P1 plus P2 plus P3 plus P4. On remplace chaque puissance par sa valeur et on se retrouve avec P total égale 785. C'est très facile. Puis il y a un exercice pour plus de pratique. La puissance nominale d'un fer à repasser est 1,1 kW. On vient de dire que le kilowatt, c'est 1000 watts. Première question, quelle est la tension efficace entre ces bornes lorsqu'il est traversé par un courant électrique d'intensité I égale à 5 ampères? Dans ce cas, on vous a donné la puissance électrique, l'intensité du courant, et on vous demande de trouver la tension efficace. Si vous trouvez la valeur, n'hésitez pas à l'écrire sur le commentaire. Deuxièmement, déterminer la valeur de la résistance chauffante. Donc, on vient de voir que la résistance chauffante se trouve sur les appareils qui convertissent l'énergie électrique en énergie thermique, en chaleur. Donc, dans ce cas, on vous demande de déterminer la valeur de la résistance, R, sachant que vous avez P, I et U. Et troisièmement, est-ce que ce fer à repasser peut fonctionner en même temps avec un four de 4000 watts, une machine à laver de 2000 watts, dans une installation où la puissance maximale autorisée est Pmax égale à 6,5 kW. Justifiez et laissez vos réponses en commentaire, puis je vais vous poster la réponse. Merci d'avoir suivi Epsilon Physique et à la prochaine.